Bonjour, moi c'est Jérôme, l'animateur LSQ de Onde. Aujourd'hui, j'ai une information importante à vous partager. En 2019, la LSQ, l'ASL et les langues des signes autochtones ont été reconnues officiellement par Ottawa comme étant des langues utilisées par les sourds au Canada. Génial! Cependant, la reconnaissance officielle d'une langue est plus symbolique que pratique, car même si elle facilite l'accès des personnes sourdes à une éducation bilingue, par exemple LSQ et français, et qu'elle incite le gouvernement à engager des interprètes lors d'annonces importantes, elle ne l'oblige pas à l'utiliser dans toute ses communications ou même à l'interne. Ce qui serait important pour l'accès des personnes signeuses à ces informations et aux services gouvernementaux. Pour en arriver là, il faudrait que les langues signées soient des langues officielles. Une langue officielle est inscrite dans la Constitution ou les textes de loi. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Lorsqu'une langue est officielle, le gouvernement est obligé de communiquer dans cette langue à l'interne et avec les citoyens. Ça veut aussi dire que les citoyens détiennent le droit d'être servis dans cette langue à l'intérieur de l'État pour n'importe quel service gouvernemental, comme l'éducation, la santé, les transports, etc. À Onde, on pense que cette distinction est importante et que les langues signées méritent leur place en tant que langues officielles. Faisons comme la Finlande, qui a inscrit la langue des signes finnoise dans sa constitution en 1995.